Un gâteau au chocolat sans sucre ajouté prend quelques minutes, idéal à partager devant une petite série. Pour commencer, on va écraser une banane de préférence bien mûre, ajouter un œuf et 30 g de cacao en poudre non sucré. On peut mélanger l'ensemble et ne pas oublier, comme moi, d'ajouter une toute petite cuillère à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique avant de mélanger. Au cas où, tous les dosages et ingrédients sont dans la description. On peut huiler un bol ou un récipient adapté pour le micro-ondes, verser notre pâte et ajouter des morceaux de chocolat noir et le faire cuire pendant 3 minutes à pleine puissance. Si vous préférez une cuisson au four, vous pouvez partir sur une dizaine de minutes à 180 degrés et tester la cuisson en plantant un couteau. Si la lame ressort propre, c'est qu'elle est cuite. Notre gâteau minute est prêt, personnellement j'aime l'accompagner d'un peu de yaourt nature et quelques fruits rouges, mais vous faites bien comme vous voulez. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit !